checking you out like, oh, she got it all, sexy from my head to toe, and I want it all and all and all, baby, let me love you down, there's so many ways to love you. Mais le Togo est remonté d'une dizaine de mètres. Son attitude est remontée d'une dizaine de mètres. Ça risque de se faire des décalages. Thomas Dossély qui prend le couloir roi, qui cherche un partenaire. Et là encore, il était 2 pour 4. Lui peut apporter des choses différentes. Il a un gabarit moindre que les autres, mais il peut sans doute davantage de facilité. Il peut apporter, mais le problème c'est qu'il se retrouve dans la zone de devant et qu'il n'arrive pas. Alors c'est ce qu'il fait, il s'en va et il descend trop bas. Et après il n'arrive plus à créer dans cette zone du terrain. Là il y avait... Quelque chose à faire. Qui joue avec Didier Passe. Didier Passe qui joue second poteau pour Thomas Dossély. Un but, but d'Abro. Thomas Dossély, second poteau contré par le gardien. Et Abro qui est là pour conclure. On va faire du bien au Gabon. C'est bon. Aodipé. Là, il y a quelque chose à faire. Qui joue avec Didier Passe. Didier Passe qui joue second poteau pour Thomas Dossély. Un but, d'Abro. But d'Abro. Je pense que c'est la place de Touré. Plus d'une heure dix de match. Il a été tranchant. Il y avait je peux pas le dire parce qu'après je vais me faire des ennemis. Ah d'accord. Il y avait des joueurs qui jouaient. C'est une alerte le 22. Ah oui. Bien sûr, c'est vrai, il a raison. Aodipé, Eloge, qui joue en Ligue 1 hongroise. Le club s'appelle Lombard Tapa. Effectivement, Hubert Velud lui a confié les clés du jeu togolais sur ce tournoi. Abro qui joue avec... Mais je pense qu'on peut faire confiance à Hubert, je crois qu'il a déjà prouvé sur la scène internationale. Mais je vais vous piéger pour votre match, on va le voir. C'est pour la demi-finale, on va faire un match. Là, il joue à milieu défensif. Moi, il m'avait impressionné. Il jouait plus de l'extérieur. Ah. Et là, on sent que les Brocos, regardez, sur les dernières images, là, ils veulent conserver leur victoire. Hein. Et il reste une dizaine de minutes dans le temps réglementaire. Mais c'est nettement mieux cette deuxième étape que la première. De deux côtés. Je pense que c'est 10 fois plus facile de se motiver quand on est une sélection régionale et qu'on joue contre l'équipe nationale que quand on est une équipe nationale et qu'on joue contre l'équipe régionale. C'est vrai. Surtout si on met le score, à mon avis, on a qu'une seule envie, c'est de le garder. Allez. On va regarder ce qu'on prend. Il va être frappé par Aodipé. Oh, le gardien. Oh là 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 là, le gardien qui s'est trouvé au second poteau. C'était Goga. Il court beaucoup, il a un gros potentiel. Je sais pas, mais je suis en train du côté de Togo de vouloir égaliser. Ouais. C'est Aodipé encore qui récupère là dans l'entrejeu. Tout de suite, il y a une carte locale. Allez, il est pas mal, hein, quand même.
c'est un bon joueur, mais voilà. Un peu seul. Ouais. Il bouge, il essaye de provoquer, de faire des petits crochets, mais c'est vrai qu'à la sortie de son, il fait un premier crochet, un second, il n'y a toujours pas de mouvement autour de lui, donc c'est difficile de créer. Non, mais je voilà, c'est pour...